me demande comment ce journal a pu publier ses propos, parce que moi, on me l'a annoncé ce matin, mais je n'avais pas vu. Et ils ont vraiment mis des mots, mais c'est... Moi, je pense à un enfant qui passe devant un kiosque et qui voit ses insultes. Je veux dire, là, le journal, il doit être heureux quand même, parce qu'il a fait le jackpot. Parce que même quelqu'un qui regarde pas, qui s'intéresse pas au football, il passe devant ses insultes. Je veux dire, il achète le journal, quoi qu'il en soit. Et moi, ça me fait... Je suis vraiment très touché. Mais je mets pas en... Je mets pas... Non, attendez, les mots qui ont été dits. Les mots qui ont été dits. Je veux dire, la presse, elle fait pas son job en mettant les insultes. Dans n'importe quel pays, quand il y a des insultes, déjà, ils mettent quelques petits points, mais ils mettent pas les insultes comme ça en entier. Ne me dites pas que la presse fait son boulot. C'est faire son boulot de mettre des insultes comme ça dans les journaux. Non, mais je vous demande. Vous n'êtes pas l'équipe, mais voilà, vous avez pris parole. C'est son boulot de mettre des mots comme ça dans un journal. Que la presse nous traite de nul, de tout ce que vous voulez, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Il a dit qu'on est catastrophique, on est des imposteurs, tout ce que vous voulez. Mais que la presse, là, écrive des mots comme ça, on va où? On n'est plus dans le football, là. On est des êtres humains.